Amis gamers, bonjour. L'heure est venue pour vous, sous vos yeux ébahis, de découvrir la sélection de jeux gratuits spécialement concoctés pour votre plaisir inavoué, celui de geeker sans rien dépenser. Découvrons donc ensemble chaque semaine une série d'applications ou de jeux gratuits, alors pour ne rien manquer, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche des notifications pour être certain de ne rien laisser passer. Que ce soit à découvrir ou à redécouvrir, voici donc les propositions de la semaine. Destiny 2 du studio Bungie est donc dès à présent jouable gratuitement. En effet, le titre a adopté le modèle free-to-play depuis ce 1er octobre et ce pour PC, PlayStation 4 et Xbox One. Alors bien évidemment, tout le contenu ne vous est pas offert sur un plateau comme ça gratuitement, mais vous avez de quoi vous occuper un bon moment sans dépenser un seul centime. Destiny 2 New Light, c'est son petit nom pour cette nouvelle version, vous propose donc d'accéder à tout le contenu du jeu de base, mais aussi à tout le contenu sorti lors de sa première année. Cela comprend donc entre autres les DLC La Malédiction d'Osiris et l'Esprit Tutélaire, le raid Léviathan ou bien encore l'Épreuve, pour ne citer que ceux-ci. Et pour compléter le tout, certains contenus de l'extension Renégat seront aussi accessibles gratuitement, comme le Gambit, les Forges de l'Arsenal Sombre et la Ménagerie. Les extensions Renégat et Bastion des Ombres seront toutefois à acheter si vous souhaitez aller plus en avant dans l'histoire du jeu. Autre bonne nouvelle, que vous achetiez ou non les dernières extensions, vous pourrez tout de même avoir droit au level maximum de puissance, c'est-à-dire 960, et que ce soit en mode free-to-play ou non. Si vous souhaitez plus d'informations concernant l'offre gratuite de Destiny 2 New Light, je vous propose le lien du site officiel en description de vidéo. Nous enchaînons sur toute autre chose avec Adventure Slime, développé par Candide Arsenic. Nous voici donc sur un petit jeu de plateforme 1D en vue 2D et à défilement à l'horizontale. Vous incarnerez une petite boule de slime qui habite dans une forêt. Malheureusement, vous vous ennuyez fortement. Vous remarquez alors que de la boue qui tombe sur un champignon se met à rebondir. Il ne vous en faut alors pas plus pour tenter vous aussi de sauter sur ce même champignon et de découvrir la joie de bondir dans les airs. Ni une ni deux, vous partez à l'aventure pour rechercher encore plus de ces champignons afin de vous amuser davantage. C'est là que votre aventure commence. Évidemment, sur votre chemin, vous aurez à faire face à certains dangers, mais aussi à collecter des feuilles en or. Adventure Slime, c'est un petit jeu calme et qui ne dure pas très longtemps, parfait donc entre deux sessions de votre jeu préféré. Parlons à présent de Second Earth, un jeu indé développé par Free Lives. Toujours en développement, mais néanmoins jouable, Second Earth vous propulse sur la planète Proxima Centauri B afin d'y développer un avant-poste. Il vous faudra alors gérer votre économie, la construction de votre base, mais aussi survivre aux attaques extraterrestres. D'ailleurs, ces derniers vous rappelleront certainement Starship Troopers. Centrale énergétique et son réseau électrique, mines, murs et tourelles de défense ou les routes, pour ne citer que ces quelques exemples, seront à placer à votre convenance. Le terraforming est également possible. Si vous souhaitez tenter de survivre sur cette planète hostile, il vous suffit tout simplement de télécharger gratuitement le jeu via le lien dans la description de la vidéo. Et voilà les petits potes gamers, nous sommes arrivés au terme de cette sélection de jeux gratuits pour cette semaine. Je vous en rappelle brièvement le principe, tous les samedis ou presque, je vous propose de découvrir ou de redécouvrir entre 3 et 5 jeux gratuits, principalement orientés sur PC. Et si 3 jeux ça te suffit pas, tu n'as qu'à créer toi-même tes sélections de jeux gratuits et venir nous les poster dans la section commentaires pour que l'on puisse tous aller admirer ton travail et pourquoi pas te féliciter si c'est bien fait. En attendant, j'espère que cette sélection vous a plu et donc je vous invite à y lâcher un petit pouce positif et un commentaire dans l'espace réservé. Si tu viens de t'abonner, je te souhaite la bienvenue. Si tu l'étais déjà, je te remercie, mais pour ta fidélité. Sur ce, je vous souhaite à tous d'excellentes sessions de gaming, un très bon week-end et je vous dis à tous, ciao, bye bye.